Et du coup, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série avec 6-4! Yes, salut super Yeah! pangolin. Ça me fait plaisir de qu'on se retrouve. Yeah, alors, bienvenue, bienvenue. Enfin, je dis bienvenue aux gens parce que c'est 6-4 qui m'a plus invité chez lui que l'inverse, puisqu'on est sur son serveur à lui. Aïe. Par contre, là, je vais avoir un petit souci. Je vais commencer à faire du griffe. Non, en fait, l'arbre est juste un poil trop grand. Donc, on est sur quoi comme serveur exactement? Ça va nous redire tout ça. Bah, pour l'instant, je n'ai pas vraiment. Enfin, bah, un serveur, c'est un fork en fait que j'ai fait du serveur officiel Mine Test for Fun, que donc j'ai forké et que j'ai installé bah, sur ma propre machine en fait. Hein. Voilà. Il a volé le code de MFF! Bouh! Oui, qui est librement disponible sur GitHub hein, quand même. Hein. Absolument. Voilà. Il a Et bien raison. puis, ouais. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai la barre de vie de 6-4 qui est juste là par terre. Hein. Elle a décidé qu'elle restait sur place parce que c'était plus fun. Ben moi j'ai la même pour la tienne, mais bon, d'être un autre endroit, mais pareil. Pas certainement. C'est bizarre ce bug, j'avais pas eu ça. Enfin, remarque, c'est la première fois qu'on se le teste à deux ce serveur, hein, donc peut-être, voilà, je sais pas. Ouais. Il y a peut-être un petit bug là à ce niveau-là. ouais parce que du coup bah c'est un MFF un peu pimpé, notamment niveau génération de terrain, puisqu'on est sur du Watershed. Non, Watershed c'est juste, ou c'est juste en... Non, Non, c'est c'est que l'autre, du Valais. Valley, ouais, pardon, On est voilà. sur le Valais de Gaël de Sailly, d'ailleurs, je crois que c'est lui qui l'avait créé, hein, cette map. Okay. Je sais plus s'il l'a créé ou s'il l'a juste Moi, update il me semble pour que c'est. je sais qu'il avait update pour MFF, mais Ben, moi, il me semble que c'est lui le créateur à la base de cette map gen et qui a été reprise ensuite par l'équipe Mindtest pour l'intégrer directement dans la release de Mindtest à partir de la 0.4.14, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être la 13, je ne me rappelle plus. Et donc j'ai décidé de mettre plutôt cette map gen là que le Watershed qui nous posait un petit peu de quelques problèmes quand même. Hein. Voilà. ouais. Le Et principe c'est vrai après que de ça rend plutôt Watershed bien. étant ces espèces d'immenses trous qu'il y avait Oula. partout, un terrain, un champ de mine. J'ai entendu un creeper exploser. Déjà? Ouais. Mais ils ont un bug, je sais pas ce qui se passe. À peine ils spawnent, ils explosent quasi de suite. Ah, intéressant. Ouais. Donc bon, au moins, on n'est On pas est... trop en danger. bah, sauf si nous spawn à côté. Bah, ça peut arriver sur le papier. Ouais. Y a pas, je crois pas qu'il y ait limite, distance limite minimum. En tout cas, à une époque, je sais que c'était supposé. Les mobs étaient supposés ne pas spawner à moins de 15-20 blocs du joueur. Et puis, pas sur un terrain lumineux. Et j'ai pu prendre des screenshots en mine, au fin fond de ma mine, où j'avais littéralement une torche par bloc. Et j'ai un Maze Monster qui a poussé par-dessus, qui a spawné sur les torches. Alors que c'est impossible d'après le Ah code. oui, normalement, ouais. Donc, à voir, est-ce que le jeu a chargé le terrain juste en dessous de la torche, et puis il a dit ok, il n'y a pas de torche, il n'y a pas d'éclairage, puis du coup il a fait spawner le machin. Je sais pas trop, mais. Les mystères du code. Absolument. Ouais. Oh, des tonnes de feuilles. Est-ce qu'on peut utiliser comme carburant celle-là? Parce qu'il y a. Oui. Toutes, hein, font partie du groupe Leaves, donc normalement tout ce qui est du groupe Leaves, ça marche. C'est fabuleux. Comme ça, j'ai déjà de l'oil extract en masse. Et puis. Ça fait des dry leaves aussi ou pas celle-là? Ah. Ah, ça, je sais pas par Je contre. sais pas non plus parce que ces pins-là, sur MFF, ils poussent que sur. Qu'avec de la neige en fait. D'accord. En fait, ils poussent avec la neige directement dessus. Donc, tu veux faire une usine à neige sur MFF, tu prends des pins comme ça et tu les fais pousser. Par contre, Ok. l'endroit est plutôt sympa. Hop là. Là. Oh oui, je dirais que tu es en train de défoncer ton ordi. Non, ah ouais, t'entends les clics de souris, tout ça, c'est ça? Ouais, c'est tout à fait, ouais. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est pas grave, tu es tout Bah ouais. pardonné. Disons que je voulais avoir quand même un niveau sonore assez élevé pour pas que, bah pour que qu'on nous entende, tout simplement, enfin, pour qu'on m'entende. Mais du coup, automatiquement, c'est clair qu'on entend un petit peu ce qu'il y a autour aussi, quoi. Ah là là. J'ai peut-être pas le meilleur des matériels, le plus silencieux, ça c'est. Voilà. Oh, si tu veux, on parle de mon clavier. Clavier mécanique, très légèrement silencieux, on va dire. Ouais. Enfin, silencieux, mais pas trop. Bref. Mais par contre, ça, c'est le pied géant parce qu'il est rétroéclairé. Et ça, pour jouer de nuit, c'est tellement génial.
C'est plus pour ça que pour autre chose que j'ai acheté en fait. Oui, bah ouais. Moins de ces cas, il faudra que je fasse l'acquisition de ce genre de clavier aussi. C'est vrai que c'est sympa ça. Par contre, il va falloir voir pour manger parce que en ce qui me concerne, j'ai rien du tout. Parce qu'en fait, Ah oui, c'est vrai. j'ai spawné hier, enfin j'ai juste lancé sur tester le serveur hier et je suis mort après 30 secondes, explosé par des bestioles parce que j'ai spawné en pleine nuit. Et du coup, Tiens, c'est vrai que là, du coup, on a spawné en plein jour. On a eu de la ouais. chance. Ouais, bah, il n'y a pas un petit quelque chose? Tiens, je vais me faire une Ah, il y a un épée mouton déjà. là. Hop. Avec un peu de chance, ça fera de la laine en plus. Yes, parce qu'il va falloir se faire des petits lits. Ouais. Tout ça, tout ça. Alors, j'ai un bout de laine, c'est bien. Ouais, mais non, il faut que. Moi, je vais aller du côté de la jungle là-bas, là, qui est pas loin. Comme ça, je vais essayer de trouver au moins quelques graines de coton. Ah, tiens, un lapin. Qu'est-ce que ça donne le lapin déjà? Je me rappelle plus. Je crois que ça peut faire de la viande. Le pauvre. Ouais, ça fait que ça. La petite Ok. vache. Est-ce que ça se mange les parasol mushrooms? Non. Ah, encore un mouton, nickel. Et puis des fraises. Quelques pommes. Voilà. Des fraises. Parfait. Attends. What? J'ai pas compris là. Voilà. Le mouton il m'a popé de la viande. Est-ce que j'en ai mangé deux avant puis il m'en a sorti qu'une? Ah, maïs. C'est fait. On va pouvoir faire des plantations. Voilà, moi j'essaie de récupérer quelques graines de coton. Ah, voilà. Au moins pour déjà se faire pousser, s'en faire pousser un petit peu. Tac. Viens ici, petit lapin. Yes. J'essaie de pas trop m'enfoncer dans cette jungle là, sinon je vais m'y perdre. Ah, il y a déjà la nuit qui arrive. Ouh oui, je vais sortir de là avant que les araignées commencent à m'attaquer. J'ai des pommes. J'ai plein de pommes. Ah, une carotte. Y compris pommes Yes. en or, je crois. Yes, j'en ai une. Ah, ça, c'est bien, ça, juste avant la nuit. J'espère que j'en trouve d'autres. Je ramasse un max de bouffe et puis on s'enterre, en gros. Si on veut rester vivant. Je reviens. Allez. Ok, j'ai Où trois tu es? trucs, donc on peut faire on peut se faire un lit. Alors, où suis-je? C'est une excellente question. Je vois. Moins 700, moins 300. Grosso merdo. Ah, t'as fait un. Ah, mais non. Si j'ai fait un? Un trou. Non, non, Non? je suis pas enterré, non, non. J'ai de quoi faire un lit en fait. Do Ah. donc on peut passer la nuit. Ah ben oui, mais par contre faut qu'on se retrouve. Mais ce problème c'est que moi je suis dans le noir complet aussi. Alors, tes coordonnées? Eh ben je suis pas loin du spawn. Attends, merde, F5? j'arrive même pas à remontrer. Ben, je suis à moins 705, moins 160, enfin moins, oh, je vais recommencer. Moins 705, 3,5 et moins 174. Moins 705, moins 174, si je traduis en français. Allez, c'est reparti. Et alors, tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu voyais des blocs lumineux, tu demandais ce que c'était, si c'était pas un bug, mais en fait, c'est le sable du mode scie qui est lumineux, qui émet une lumière. Ah non, mais non, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau dessus. Le sable il Ah, mais même, s'illumine hein, quand il y a de y a l'eau pas. dessus et qu'il y a un. Ben non, pas forcément. Là, si tu pointes. Là, j'en pointe un, 6 plantes. Du mode 6 plantes. Voilà. Plantes. 6 plantes sand. Et c'est lui qui est lumineux, hein, par rapport au. Ok. Enfin, ouais. Bon, bah autant pour moi alors. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, bon. Alors, j'aimerais bien voir où je vais. Voilà. Merci. Reste plus qu'une torche. Ah, non, c'est pas possible. T'es reparti? Non, je suis toujours là, je suis toujours en Ah, jeu. j'ai. Non, non, j'ai cru. Ouais. Ok, alors là j'ai trouvé quelque chose qui doit bien être du silver, je crois. Qui pourrait mettre du silver. Ok, nickel. Alors maintenant. Parce qu'en fait, je suis arrivé dans un truc bourré d'eau. Alors c'est super agréable pour jouer, mais c'est encore mieux s'il n'y a pas ce problème-là. C'est vrai que cet endroit-là, il est bien inondé, ouais. Ouais. Ah, les musiques de MFF, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu.
Parce que je les ai désactivés en fait. Question de droit. Parce qu'on a les droits de les diffuser. Y a pas de Ah bon? souci. Ah ouais. Sauf que, bah sinon elle serait pas sur MFF, tu vois. Oui, Déjà pour oui, commencer. Et en réalité, il y en a qui se font flaguer sur YouTube. À cause de cette musique-là? Enfin, de ces Alors, musiques-là? je me suis déjà fait flaguer, ouais. Ah ouais? Et Ok. puis, du coup, j'ai dû Bon, faut dire, oui, contester. c'est la musique qui est sur un jeu, sur un serveur, elle était disponible, on a les droits dessus, j'ai les papiers qui le Ouais. prouvent, parce qu'il y a de les fichiers de licence. Ah, j'ai trouvé un truc bizarre. Oh, de l'uranium. Aïe! Ah, ça commence à être pas mal la profondeur où on est là. Ok, alors l'uranium, quand tu le mines, non, quand tu t'approches à moins de quelques blocs, tu te prends des Ah dégâts. oh. Ben ouais, hein, tu te fais irradier, ouais. Et ça va Putain, très 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 vite. faudrait que je rajoute le mode lightning là qu'on y voit avec les torches, ça serait super ça aussi. Puis alors, si je le prends sur moi, l'uranium, est-ce que je prends des dégâts aussi ou... Non, je crois pas quand même ça. Enfin, faut le tester. Non, c'est bon, alors je peux transporter de l'uranium, par contre je peux pas m'en approcher. Bon alors, on a déjà de quoi se faire notre réacteur nucléaire, niveau... Toi, c'est déjà parti là. Allez, un petit réacteur nucléaire. Il tente bien commencer la journée. Allez, simulation de Tchernobyl. Ouais. À Tchernobyl, c'était quand même vachement fort, hein, les mecs, parce que c'est les types de Moscou qui ont débarqué et qui ont dit « Bon les gars, on va faire un test de sécurité où on éteint tous les systèmes de sécurité puis on regarde ce qui se passe. » Et c'est comme ça qu'ils ont lancé le réacteur et qu'ils l'ont laissé, ils l'ont Ah, laissé péter d'accord. littéralement. Et au moment où ils ont dit « Ah mince, ça risque d'exploser. » Ah bon, C'était trop bah, tard. écoutez, alors arrêtez tout, puis on va signer les papiers pour dire de tout arrêter. Puis le temps que les papiers soient signés, bah, ça avait déjà fait boum. Ça, le fer, je prends. Tu sais le faire? Je sais le faire. Mais machin, il a spawné au-dessus de l'eau. C'est virtuellement impossible, mais... Mais ça le fait quoi. Ah, il aime bien le pépé. Oh non, t'es mort? Mais... J'ai entendu le bruit. Oui, bah bien sûr, je suis mort, mais j'ai pas pris... Premier fail. Ouais, non! Fail. C'est pas juste! C'est pas juste! Ah, fallait bien inaugurer quelque part, hein. Non! Je veux dire, là, c'est vraiment pas juste dans le sens où j'ai rien fait pour mourir. Il m'a tapé... C'est... Comment je suis mort? Non, il Putain, m'a... c'est con. Et en plus, je ne suis pas téléporté à l'endroit où tu voulais que je vienne. J'aurais pu récupérer ton stuff, au moins. Ouais. Oh là là Bon, j'ai là là. sauvé la majorité dans... Non, un coffre. Dans mon coffre, machin, mais... Bon, ça va. Là, ça fait un peu mal aux fesses, quand même. Ah 6-4-2. Pourtant, c'est pas le lag, hein. C'est vraiment pas le lag. Mais je sais pas, parce que j'ai... Pourtant, j'avais une armure. Et j'ai pris... Pour moi, j'ai pris un coup. Alors, je peux contrôler au truc, mais si vraiment il m'a tué en un seul coup, c'est que c'était genre le maxi coup critique. peut-être. Petite pause dans cette vidéo pour vous dire qu'effectivement je me suis magnifiquement planté puisqu'en fait il m'a foutu plein de coups avant et je me suis pas rendu compte dans le feu de l'action. Voilà. Ouais. Bon. J'espère pas. Du coup, est-ce que tu sauves la place où t'es, puis comme ça après je te fais remonter, que tu puisses poser ton chest. Comme ça je peux récupérer mon stuff. Ton rifle Alors, chest. je vais me faire un 7 pit, un truc comme ça là. Hop. Ouais. 7 pit. Boum. Moi c'est... Ding dong. Voilà. Bah, tu peux m'envoyer, voilà, ça marche. Donc, je te rejoins. Merde. Déjà. Ah, je me Ouais. trompe de bout de temps. Cyberpangolin, donc tout player, voilà. Yes, voilà. Ah, mais t'es remonté, oui, d'accord, en Bah surface. forcément. Coucou! Salut. Ah, Donc. et puis j'ai de nouveau ta barre de vie qui est apparue à côté. Ouais, kiki. Bah, c'est la tienne aussi, pas loin. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse Juste du tu poses coup? ton. Tu poses le chest que je puisse récupérer le matériel dedans. Alors, mon wifi chest. Ouais. Voilà. Là. Yeah, merci. Est-ce qu'il va pas être trop plein? Attends, je vais récupérer peut-être ce qui va t'emmerder. Non, non, mais J'enlève. c'est. Non, 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 attends, attends, c'est séparé, c'est par. C'est chacun a le Ah, sien. d'accord, c'est-à-dire qu'un seul wifi chest peut. Ah, d'accord, je comprends Par le exemple, tu vois, fonctionnement. si j'étais un troll et puis que je voulais balancer un saut de lave ici, Oui, eh j'avais pas ben. compris ça. C'est tout bon, je l'ai récupéré. Par contre, on D'accord, va. d'accord, d'accord. Je vais arrêter ça. Du coup, comme ça, tu m'as permis de récupérer la majorité de mon matériel, on va dire. D'accord. Après, Bon, bah il me manque chouette. les basiques, hein, j'ai plus de bois.
Oui, bon, ça. Tiens, je t'en donne là si tu veux, non? Ouais. Tiens, alors, hop, petit A, pou. Voilà. Yes, merci mon poteau. Oh, Voilà. mais des armes, il y en a. Et puis du coup, je vais pouvoir. Bah, j'aimerais équiper, je vais refaire de quoi manger. Et puis, ben. Est-ce qu'on se commence à se bâtir une base, peut-être? Ben peut-être, hein, serait temps. Alors je sais plus où c'est qu'on avait commencé à déboiser, c'était par là-bas, je crois. Ouais, Mais moi. peut-être c'était peut-être pas forcément le meilleur endroit. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait faire ça. On réfléchit pas. Est-ce qu'on a une plaine quelque part où il y aurait, ce serait déjà déboisé en fait? Ben, on va peut-être une clairière, faudrait trouver quelque part, Ouais, effectivement. je vais récupérer le chest par contre. Ah, on a une grande zone de sable. Alors bon, c'est du sable, mais au moins il n'y a pas d'arbre dessus. Ouais, par contre, du coup, ça va spawner les monstres à sable là. Ah ouais, c'est juste, sale bête de Ouais. truc. Oh, petit carré d'herbe sèche. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Au milieu de la jungle. On s'est reperdu. Bah, c'est pas grave. Tant Oh, mais pis. On se. je reviens dans la bonne direction. Ah, bah, je sais pas, moi, A depuis, priori. j'arrête pas de bouger aussi. J'arrête pas de bouger. Allô, C'est un peu l'alter? l'exploration terrain. Exactement. Bah après tout, ouais, dès qu'il y en a. Oh, qu'est-ce que c'est, putain d'araignée? Ouf, elle m'a fait peur. Ah, mais. Mais je suis bête, en plus, j'aurais pas dû l'attaquer. Non, parce qu'elles sont. Elles sont. Elles sont Toi qui fais gentilles en jour. journée, ouais. Ouais, bon, bah, c'est pas grave. Je l'ai eu quand même. Alors, je suis perdu dans la jungle. Alors moi je suis arrivé dans une forêt de conifères, n'est-ce pas? Ah, je crois que Je j'ai vais trouvé essayer. un biome neige aussi. C'est un peu bizarre parce qu'apparemment. 50. Ah voilà, c'est un peu mieux. Oui. Ah non, ok, d'accord. Je me disais Ah. apparemment il y a un problème, mais en fait non, c'est bon. Il y a un biome neige pas très loin. Et là j'ai une magnifique plaine en hauteur. Ah, mouton. Vas-y. Enfin, une plaine en hauteur, ça veut rien dire. Un peu, mais des petites. Par contre, là, j'ai trouvé une zone de plaine relativement stable et plate. D'accord. Et vide, surtout. Et quand je dis vide, c'est vraiment qu'il n'y a rien. Donc. Ouais. T'es en quelle coordonnée, ouais? Je t'envoie Non, t'as dit. ça. Ouais. Parce que là, je pense que ça peut être Ah. pas mal pour s'établir. Je vais comparer, Ah, donc c'est. j'ai un creeper qui vient de me péter dans le dos. Ah, tu vois? Bonjour. Ah ouais, t'es à moins 1935. Ok. Et moi, je. Oui, on est s'éloigné là quand même. Ouais, Ah oui, elle est sympathique cette zone. c'est vraiment, c'est beau, c'est plat, c'est. Par contre, on risque d'avoir un peu de minotaures qui vont arriver là avec la zone sèche. Oui, mais ça, la zone sèche, elle est toute petite et on peut très facilement régler le problème des minotaures. On peut humidifier la zone en fait, simplement. Ouais, après c'est peut-être bien de ou de la parquer, mettre des barrières autour pour que quand même ils spawnent et qu'on puisse récupérer le bah, ce qu'ils donnent quoi. Mais est-ce qu'il passe pas par-dessus les barrières, simplement? Bah il faut les doubler en hauteur alors au pire. Ouais, on se fait un zoo. Voilà. Ah tiens, est-ce que j'aurai assez de laine là pour faire un lit? Oui, en plus, génial. Bon, il sera Oh. dedans. Ah non, tiens, je vais faire noir parce que j'ai du charbon. Ouais, voilà, ça changera un peu. D'accord. Ce qui me fait penser à la chanson, la laine des moutons, c'est nous qui la sentons. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si tu es, enfin, toi, ami viewer, si tu es vidéaste et que tu as envie de Ah me oui. rejoindre, on peut certainement s'arranger. Donc, bah, il faut que tu aides sur On a besoin de le. talent, de talent, des talents. Des talons? Des talents, des talents. Ah ouais, Oh. on n'a pas Ou de des chevaux. talents, des talents. Et on sait que le temps n'est pas rapide, hein, donc il nous faut les talons. Voyez, des talents en construction ou en invention de toutes sortes. Ou Voilà. même sans talent, à la limite. Hein. Moi, je suis ouvert à tout le monde. Pas de souci. Vie. Par contre, on est limité pour l'instant à 5 connexions. Donc, j'ai aucune idée du serveur ce qu'il peut donner en termes de performance. Déjà, avec au moins 5 connexions. Et peut-être. Enfin, bon. Après, ça serait un test intéressant de faire un test de charge, un petit peu, comme on dit. Oh, J'aimerais j'ai un bien. magnifique bloc de maize. Ah bon? Attends, viens, je te laisse le prendre. Attends, mais t'es où? T'es loin, tu t'es reparti encore, toi. Tiens, Ah. je t'envoie les coordonnées. J'arrive.
Ah oui, non, le gros piège. Bah, s'y connaît. Ouais. Ben ouais, j'ai joué au mode carbone hein, déjà. Ah, je connais pas le mode carbone donc. Ben ça vient de là en fait. D'accord. Et d'ailleurs, c'est là que je me suis aperçu que MFF en fait en grande partie il s'appuie vachement sur le mode sur le enfin sur le game le sub game carbone, j'ai l'impression. Ouais, probablement. Ben, j'ai l'impression, alors peut-être du fait qu'il y a Kalinu qui est par là aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais, je crois pas. Il est pas très actif, je crois, hein, sur MFF. Je l'ai vu jouer 2-3 fois. Ouais, mais... d'accord, ouais. Non, parce que c'est lui ouais, qui a créé ce mode. Enfin, ce subgame plutôt. C'est plus qu'un mode. Ouais, j'ai replanté 2-3 saplings histoire qu'on dise que j'ai pas été trop horrible avec le terrain. Mais du coup, on est où par rapport à... Je suis perdu. C'est une excellente question. Moi, je vois un truc là-bas sur la carte. Donc, c'est par ici, normalement. Si j'ai bien compris. Parce que je vois une ligne droite. Et puis, si c'est pas par là, eh ben, on pleure. Non, c'est là. On est tout près, en fait. D'accord. Au pire, de toute façon, j'avais sauvegardé la coordonnée. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est bien de savoir un petit peu de se repérer. J'avais pas arrêté comment j'ai quoi. Ah, mais ça va, j'ai presque 200. Je vais en replanter un peu. Café. Ouais, il y a du café qui a poussé. Ah qui oui. Est prêt. C'est bien ouais. Ça. Non. Encore jamais utilisé cette ressource. Moi non plus, je sais pas à quoi ça sert. Je vais usiner un peu de bois. Hein. On peut se faire un petit café. Oui, alors ça, c'est pas de refus. Mais pour de vrai, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai pas fait cuire des machins moi. Ok, on comme ça il y aura 2-3 sapins qui vont pousser, donc on pourra avoir quelque chose de correct. Du coup je vais pouvoir commencer à bricoler un peu une maison. Héhé. Ouais c'est pas mal là, c'est pas mal du tout. Je vais partir là-dessus. Là j'ai mon pattern définitif, je suis content. Ah, c'est cool à deux, on a de bonnes choses. Hein. Yes, à fond. Alors, bon, pour l'instant, c'est toi qui bosses plutôt, mais bon. Oui, alors, du coup, je demande 47 euros de l'heure TTC, minimum. Bon, je vais partir miner alors. D'ailleurs, si jamais les gens, je n'ai pas de Tipeee, donc si vous voulez ne pas me soutenir, ne me soutenez pas. Moi, c'est pareil, je ne monétise pas du tout pour l'instant. Hein. Je ne sais pas si je le ferai en fait. La 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 la, petite maisonnette. Je suis riche. Tu es riche. Je suis... Ouais, putain, j'ai ramassé. J'ai 1091 pièces de Copper Queen. Ça se transforme, ça? Ça se transforme. Ça se convertit, je veux dire, en copper, en gold copper ou... Ouais, mais ça, en fait, aussi. Ça sert à rien parce que c'est pour le mode minière quantile. Oui, bah il y est, hein, de toute façon. Oui, mais il sert à rien. Et concrètement, il sert à rien parce que. Bah, ouais, on va pas s'acheter des trucs. On va tiens, pas je vais te revendre. Mais le truc. Mais par contre, si ça peut, pour l'idée de genre faire fonctionner une machine qui détecte, comme t'avais fait là pour le casino, ça ah c'était chouette. Ouais, tout à fait, oui. Ça c'était chouette, ce genre de truc. Au moins, ça sert pour ça, quoi. Déjà. Tout à fait, ouais, ça on peut faire. Ça peut être très fun. En plus, c'est pas très compliqué à réaliser en réalité. Une machine de casino. C'est pour ça que je l'avais fait. Parce que t'es... Par contre, alors, je me souviens que la déco était catastrophique. Mon casino, je savais pas encore builder quoi. Enfin, j'avais aucune idée comment tu fais un truc. Du coup, j'étais parti à l'arrache. Puis j'étais en full pierre. C'était intéressant, on va dire. Hein? Interesting, n'est-ce pas? Enfin bon. Ouais. Ah, il faut faire dodo. Ah. Enfin, quoique. Non, il faut pas faire dodo, le soleil est juste en train de se coucher. C'est drôle d'ailleurs parce que le ciel est exactement la même couleur que chez moi en ce moment. Ah, ouais. Plus maintenant, par contre. Encore jour aussi. Classique, hein. Du coup, on a technique en plus. Technique qui fait des tronçonneuses, qui fait beaucoup d'autres choses aussi. Hein. Des systèmes de laser avec. Des systèmes de laser pour miner, des systèmes de perforeuse, il y a des grinders, extracteurs, machin de ce genre. Donc a priori on peut extraire beaucoup plus de minerais à partir d'un même élément. Je pense qu'il doit sûrement avoir des systèmes de stockage très puissants aussi,
Enfin, il y a énormément Oui, de des choses, hein. coffres. Ne serait-ce que pour alimenter, je sais qu'on peut faire des réacteurs nucléaires, donc voilà. C'est assez la classe, on va dire. C'est clair. Yeah. Et je voudrais rajouter qu'il y a le mode Digiline aussi que j'ai rajouté. Donc il peut être interagir avec Paperworks, Mezecon et certainement technique, je sais, je crois. Donc on pourra faire des trucs un petit peu plus techniquement avancés, je pense, avec. Et j'ai mis aussi le mode Maidroid. C'est un mode qui nous permet de programmer des robots pour qu'ils nous fassent des tâches ingrates. Oh, Comme il par comprend. exemple. Comme miné. Comme miner, ou moi je pensais surtout pour farmer justement, s'occuper de tout ce qui est plantation, etc. Parce que c'est vrai que pour jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose pour automatiser cela. Donc là, ça pourrait être un moyen à tester, cela dit. Voilà. Alors après, pour les plantations, moi j'avais fait un système automatisé, hein. Ça existe T'avais avec réussi? Mindtest, oui. Enfin, semi-automatisé, pardon. En Ah fait, ouais. c'est des note breakers, il casse le truc, ça marche. Par contre, il n'y a rien pour replanter derrière. Oui, voilà, c'est ça, parce que moi j'avais tenté avec un déployeur, mais ça marche pas. Il peut pas planter la graine, ça marche pas. Bon, ça peut se Ouais. coder, ça. Ça peut se coder, hein. Ouais, enfin là. C'est pas mon niveau. Ouais. Ben, Je c'est pas du suis mien un non copeur. plus, je sais pas coder. Dommage. Je dis ça, mais il faudrait que je me penche dessus, peut-être éventuellement. Ouais. Mais bon, si. Ouais, je vais arrêter de m'engager à faire ceci, cela, parce que je vais arriver à rien faire autrement. Mais ouais, bref, ça avance bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je sais même plus. J'ai deux trois trucs de minage. Évidemment, comme je suis mort, j'ai perdu les plus importants. Enfin, une partie. Ouais, ça par contre, je vais pouvoir récupérer et puis faire des trucs avec. Ça, on va se faire tout de suite du carburant. Ça, c'est bien ça, le carburant. Comme ça, après, les fours ils sont contents. Ah, Donc moi, juste un c'est mon petit truc. stack. Un petit stack, un petit stack. Yes. Nickel. 1, 2, normalement on peut en faire 4. 3, 4 stacks et des bouteilles. Yes, parfait. Voilà. Eh ben voilà, super, ça avance bien. Ça a bien avancé la construction en tout cas là. Pas autant que j'aurais voulu parce que j'espérais avoir la maison complète pour la fin de l'épisode, mais j'ai vu trop Ah, grand. ouais. Après, le problème c'est que soit on voit trop grand, soit on voit trop petit. Et si on voit trop petit, ben on peut agrandir, mais suivant quoi, c'est pas forcément fabuleux niveau rendu final. Donc autant faire trop grand. Et puis après se dire qu'on a une pièce disponible encore pour rajouter tel truc si on veut. Voilà, ouais. La Enfin, chambre d'amis, par exemple. c'est qui ami? Ben on l'attend, hein, pour Ouais. l'instant. Alors d'ailleurs, en parlant d'amis, je le dis maintenant parce que je l'ai dit une fois pendant le record, mais je me demande si c'est pas au moment où j'appuie sur l'option pour diffuser en stream au lieu d'enregistrer, parce que j'ai réussi à faire ça, bravo moi. Mais on est deux actuellement sur le serveur, qui est un serveur privé. Mais après, si vous êtes vidéaste et que vous voulez nous rejoindre pour faire du mind test, for fun, version pimpée avec du technique en plus et des machins de ce genre, eh ben vous pouvez. Ah, C'est bienvenu. exactement. Alors maintenant, comment faire pour nous rejoindre? C'est ça la grande question. Et la réponse est 42. Non, plus sérieusement, il y a plusieurs options. 42 qui est le numéro de mon nouvel appartement aussi, mais ça on s'en fiche. Il y a plusieurs options, mais je pense que la plus facile c'est d'aller sur l'IRC de Mindtest for Fun et d'espérer trouver l'un de nous entre les deux. Il y en a souvent un de nous qui est là, donc Oui. voilà, ça c'est cool. Et puis ben, a priori, on risque de se faire des sessions d'enregistrement plutôt en fin de semaine, sur des après-midi, donc une par semaine. Voilà, Voilà. voilà, Ouais, voilà. c'est un bon calendrier. Exactement. Après, bah, je dis ça parce que je sais que je suis disponible en fin de semaine et c'est le seul moment de la semaine où je le suis. Maintenant, bah, on verra aussi en fonction des gens qui viennent, évidemment. Mais si on est nombreux, bah, c'est cool. Comme ça, on peut se mettre tous sur Mumble, puis on peut tous discuter. Et on est tous copains. Ouais. Bon, ben voilà, ben super, ben. Oh, c'est tellement beau pour un screenshot là. Attends. Quoi? Ah, ça fait pouf. Ah, t'as juste pas tourné la tête. Parfait. Ah mince, attends. Non, non, c'est tout bon, c'est tout bon. De toute façon, je suis double face, quadruple face avec ce skin. Voilà, mais du coup, bah merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine, en tout cas pour chez moi. Après, je sais pas si 6-4 tu continues à record de ton côté. Moi, je vais continuer un petit moment, mais dans mon petit coin. Voilà. Ouais, ok. Allez, salut tout le monde! Bye bye! Ciao, ciao, Ah, mais t'es à ciao! l'envers!
Ah, je suis à l'envers? Oh, bah, je sais pas dans quel sens je suis. Voilà, là. Voilà, t'es à l'endroit. En fait, on voit pas la différence. Ben Là, je te jure, à part le bouclier, peut-être, autrement, on voit pas que t'es pas. Que t'es... Parce que vu que t'as les yeux de tous les côtés. Si, il y a un œil qui est pas pareil de l'autre côté, je crois. Oui, mais voilà, Ouais, concrètement, il y tu a vois un le œil mec. rouge. Le devant, ouais, c'est l'œil rouge. Ouais. Tandis que moi, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de doute, hein, que mon grand sourire, Béa, d'admiration. On se fait des On bisous? se passe à travers. Oh là là. Bon, ben voilà, C'est c'était bien. compliqué. Bye bye!